Bonjour la famille, le dossier de M. Gauthier Seyi continue à battre les records aujourd'hui. On se souviendra de ce monsieur. M. Gauthier Seyi a réussi à désactiver les faux casques de Fally Ipupa. Gauthier Seyi a réussi à désactiver les faux casques de Fally Ipupa. Aujourd'hui, Fally est mélangé partout. Il est par-ci, il est par-là. Il ne sait à quel saint Dieu s'avouer. Il est partout, il est éparpillé. Fally tantôt avec la fondation Fally Ipupa, tantôt Fally attaque un artiste. Au moment où je vous parle, Fally Ipupa n'est même pas au Congo, il a fui. Les rumeurs que vous écoutez par-ci par-là, soit disant que M. Gauthier Seyi a demandé pardon, c'est du mensonge. Et regardez bien, tous ces gens-là qui disent « Seyi a dit pardon, il faut les émissions par-ci, par-là », ce sont les gens qui parlent pour Fally, ce sont les communicateurs de Fally. Et maintenant, comme ils ne savent même pas quoi faire, ils ont honte. Fally, il s'est humilié lui-même, il s'est rabaissé. Ces gens-là ne savent même pas quoi dire. Comme ils ont besoin des actualités, ils ont besoin de views, ils ont besoin de mentir toujours. C'est les victimes là, des victimes de Fally Ipupa. Ils sont sur les réseaux en train de dire de n'importe quoi, en train de vous rencontrer des hérésies. Alors, l'affaire ici est grave. Les gens n'ont même pas compris les contenus, soit les mots que M. Gauthier Seyi a prononcés. Les gens ne comprennent même pas ce qui a amené Gauthier Seyi à dire ces propos-là. Les gens ne comprennent pas. Les gens se mélangent par-ci, par-là, puisqu'ils veulent juste de visibilité. Ils ne veulent pas dire aux gens la vérité. C'est pour cela que M. Gauthier Seyi est serein dans ses propos. Il est serein dans ses responsabilités. Il est serein dans ce qu'il est en train de faire. Ce qui est encore encourageant, le collège des journalistes formés, je ne dis pas les influenceurs de YouTube, les chercheurs de l'argent, mais je parle des journalistes formés. Ils se sont tous ligués pour Gauthier Seyi. Ils apportent le soutien maximum, soutien total à leurs confrères. C'est ça le journalisme, c'est ça la valeur de Gauthier Seyi, c'est ça la valeur du savoir-faire. Bande konaye ba camarade naye ba collègue naye musala baza ko reconnaître musala tita oyo Gauthier Seyi azo sala yango balobi ba kolacheye ba kozala naye kinkon tina suka. Fally Ipupa, un musicien qui s'est rabaissé, on dirait mutuazo, quand je vous dis que aucun musicien congolais a son entourage a bien bouché la kanga tembe bofinga kanabino kaka les lobos omona ba soit disa oh bazala entouré na ba batu ya bien bota les sika baza comme ma Fally baza comme ma na salité baza comme ma na makambu oyo il ne fallait même pas bati ya na kati. Au moins, ça fait deux jours que j'ai fait une vidéo concernant les gens qui insultaient les femmes de Fally Ipupa et les enfants de Fally Ipupa. J'ai dit que pourquoi Fally ne veut pas les porter plainte à ces femmes-là qui s'acharnent contre la femme de Fally et ses enfants. Mais Fally s'acharne contre la personne qui n'a même pas insulté, qui donne ses points de vue et ses analyses. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de louche? Pourquoi Fally il faut kaka a kangisa mutu oyaza ko finga yete? Mutu wana atikala jamais ko finga. Personne ya Fally atikala jamais ko finga. Et loko nyosi tali Fally azako loba azako douter. C'est une personne qui doute, azana doute ya se ya ba disque ya Fally yango azo sale lango recherche. Ça, c'est légitime pour un journaliste parce que baza batu investigation. Je ne vois même pas pourquoi batu baza ko se poumoner na makambouana. Un journaliste du talent formé au Aibi Moussala a ko sala ba investigation. Pour azana moya kouma na France te, yango a délégué batu naye, ba avocat ne ba kende ko sala makambouana. Et puis,
Eloko azako sala eza légitime. Moi je ne vois pas eloko kokoti sa mutona na prison. Il n'y a rien. Biloko bosali eza intimidation. Bokanisa ki mutu na negotier sei soki bomemeli bino bomemeli ba avocat bokobangi sa ye. A surprise yepe azana ba avocat na ye. Surprise munene bomoli lisusu ba journaliste ba ke ko telemela fali ba komi siman sima ya Gauthier sei. Bande konanga bino ba wario. Bozalaka mitu et salaka te. Bo comprenaka te. Même les gens qui ont on voit que bazana ka mwa mayele, bazako kwe da l'idiotie. Bazako kwe anda nani na medio na médiocrité ya langue puisque bazana posé à visibilité. Bo tala ba tso ba lobelaka fali. Bo ba mitu ta ka pena fe nani zo ki bazaba waro. O mutu na bango nyoso bazaba bazako luka mbongo na Facebook na YouTube bango tuzomona ni bazako evoluer vina bango base na bango bazaba merci YouTube sa YouTube nde batuana bazawana te tuzomona bango nyoso sika batuana pona bino comment expliquer que batuana batika kope na bango poba landela buzoba nini balandela ba vérité. Ah, on a congolais, moko bona ebie. Il y a un congolais que je connais, azo azako de mupaya. Ah, anyway. Ouais, ça fait rien. Ya, yeah. Maintenant un monsieur qui n'a pas de travail, il n'a pas l'avenir. Son avenir c'est sur Facebook. Son avenir c'est YouTube. Pensez-vous que ce monsieur là va laisser tout ça pour dire la vérité? Lui, il a évolué par les mensonges. Il a évolué pour couvrir Fali et Poupa. C'est ça sa vie. Il n'a pas d'autre choix. Tout ce que vous voyez, tous ces gens-là, ce sont les gens qui dépendent de YouTube. Ça, YouTube, ces gens-là, ce sont des pauvres à 100%. Ça, ce n'est pas insulte. Je ne suis qu'en train de vous dire de relater des vérités. Il n'y a aucun riche parmi tous ces gens-là. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux juste pour, parce qu'ils ont besoin aussi d'être de la visibilité, ils ont besoin de parler. Pas parce qu'ils sont pauvres. Il y a d'autres qu'on voit la façon dont Bazako évolue. Bazako évolue aux monaki. Mbongo à YouTube, Bazako zoa. Yango Zako permettre Bango ba survivre. Batouana, c'est impossible. Encore on a répété ma bamo, c'est impossible Batika Makambo à YouTube. Et ça, impossible Batika Makambouana. Pour balober la makambo ya bien, c'est impossible. Et puis ceux qui va changer système na bango ko loba ba ko bungisa ba fan ba ko bungisa ba view wana c'est très important pour na bango. Il faut ba lire, il faut ko comprendre ba tuana. Même mutu oyo na za ko loba que baza ko kose la makambo eza mutu ogotie sei tellement que il a gagné le procès avant le procès puisque soy bolandi boyo ki ba détail ya makambo, il y a pas de site. A lobika kazo sa la recherche, azo sa la pe banini investigation pona nini. Pona ba disque a fali, c'est tout. Et puis a lobika fali ne sait pas chanter, qui oublie qui ne sait pas que fali a yibi ko yembate. Qui oublie et qui ne sait pas que fali a yibi ko yembate. Fali aza mobali a biyembela, chanter a biyembela. Nzembo nini a fali a malonga izawana, o mutoki koloba, ne, goche seyi a asala ki biente, te, mutunyo sa yibi ke, Gauthier, c'est un homme qui a amené la vérité, la lumière na makambo nyoso. Est-ce que mutulokola ba tulokola bo baza ko lobela fali, baza capable ko loba fali lelo agafé. Bo si boyoka bango baza ko loba fali aza ko gafé ba loba kate. Parce que baza censé ya ko loba toujours bolamu ya fali, non mabe ya fali. C'est ça eloko eza ko pesa batu ba loba ba fungola ba chaîne ba loba ke non a bozoko sa fali azana ba mabe na ye yango ce n'est pas parce que mutaza ko loba fali azana mabe nde alingi fali te naza ko relater mabe a fali parce que batu ebele baza ko relater bolamu ya fali alors il faut pe batu oyo ba yebi bolamu ya fali ba ye ba kape mabe na ye ba ye ba kape ba defo na ye puisque mutu nyoso azana bien na mauvais. Batu ya fali bazolinga kolakisa kaka fali nga za sen. Mengasika na za koya na ndenge ya bonzambe. Jeka ila kriye achaki makambo ya bien na mauvais. Bien et mal. Meyer et soki et pire.
makamuyo se tambola ka bien mais ce qu'il a fallu bozobi misaka ka ya bon ya mabe ezate ya ngone nga na za ko relate ya pas plus que ça ezaka ka makamwana ya muke muke na za ko relate ezanga mtu abino Gilmas boko yo kelengi boko yo kago.